Salut tout le monde, c'est Corleone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de Evil Within 2. Donc écoutez, la dernière fois, j'en étais arrivé à là, je devais aller revoir mon pote Anil, qui s'est tiré de la planque. Saligo. Du coup, bah, il faut le retrouver. Je suis Yukiko pour retrouver Anil. Alors la question c'est, est-ce que je dois aller par là? C'est une très bonne question. Attendez, là il y a un truc. Alors c'est où ça? À prendre ton stuff, mec. C'est des... Oh, fusil à pompe. Merci. Donc ça fait plaisir, ça commence bien. L'ascenseur, ça me botte pas trop. Putain, il y a eu des choses là qui se sont passées. Oh merde! Attendez, on va se droguer un coup. Il y a un truc qui joue pas. Donc, je me suis fait arnaquer. Hein, là, pas du loot. Vous voyez ce que ça peut, où ça peut mener. Alors, donnez-moi ça, parce que maintenant, j'ai plus de balles de fusil. Ok, putain. C'est quoi ça? J'ai bien flippé. Ouh là 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 là. Est-ce qu'on peut aller ici? Exact. On peut. Mais avant tout, carreau fumigène, non, ça va me servir à rien du tout. Par contre. Voilà. Et puis on va en crafter une petite. Donc, 4 carreaux, ça fera l'affaire. Alors, je sais plus quel pistolet j'utilisais. Je crois pas que c'était celui-là. Voilà, c'était le premier. C'est bon. On va rester au fusil à pompe. Et ça pue ici. Pas éteindre. Comment on fait pour éteindre la lampe de poche? Par où ça va, quoi? Oh. Alors là, ça m'inspire pas confiance comme endroit. Absolument pas. On dirait que la sécurité était renforcée ici. Ouais. On dirait. C'est une super porte. Détecteur de métaux, donc ça rigole pas. Alors vous, les cadavres, vous restez par terre. Oh putain, ils ont plus de tête. Hop. Qu'est-ce que tu veux, toi? Sors la radio. Ah, c'est pour localiser. Surtout, ne fais rien qui fasse peur. Merci, la petite musique. Qu'est-ce qu'il y a là? En raison de la nature sensible des expériences, blablabla. Merci de respecter le protocole, d'accord. On va faire un petit tour par là. Vu que les esprits ne peuvent pas venir ici. Alors, au niveau d'amélioration, est-ce que je peux faire des trucs là? Bon, fusil à pompe, parce que ça c'est mon arme de prédilection. Non, alors puissance de feu. Augmenter la probabilité d'infliger des dégâts critiques lorsque vous touchez le point sensible, ouais. Moi je vise la tête. J'ai pas assez. Temps de rechargement. Combien? 60.
ça peut être utile. Ouais, bon, alors là, je pense qu'on n'en est pas. Ah ouais, alors ça par contre, tirer plus vite, je veux bien. Le pistolet. Pistolet. 400, j'ai pas. Capacité de mission, on s'en fout. 15 de tir. Voilà. Fabrication, bien entendu, je peux rien fabriquer. Je vais voir ma copine Tatiana là pour voir si j'ai pas une clé. Vous n'avez pas bonne mine. Bonjour, comment vas-tu? Laissez-moi vous aider. Non. Je vais juste Il n'y a voir. aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez Santé, pas moi je suis éviter la plutôt dans le combat, non, dans la confrontation pour toujours. furtivité. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. 12 000. Tirez les bouteilles de votre inventaire pour libérer de l'emprise de certains ennemis. Ouais, non, ça m'intéresse pas. 7 000. Ou non. Agilité. 7 500. Ah ouais. Non. Je sais pas quoi prendre. Je dirais. Suffira. J'ai des clés. Non, j'ai pas de clés. Bref. Au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, écoutez, j'ai vite sauvegardé et on y retourne. Donc, la sauvegarde a été effectuée. Retournons à nos affaires. Donc, fusil à pompe. Oh putain, ça pique. Alors ça me fait penser un peu à Resident Evil. Avec les lasers. Bon, je sais que ce n'est pas une œuvre cinématographique d'excellence, mais... Voilà, ça me fait... Bonjour. Non, là ça me donne vraiment pas envie. Toutes ces cuves. Qu'est-ce que c'est? Mieux vaut pas savoir. Est-ce qu'on peut faire... Non, on peut rien toucher. Est-ce que vous avez du matériel pour moi, genre du stuff? Genre ça là-bas, ça me branche pas trop. Il y a un ordinateur. Non, il a rien envie de me dire. Restez tranquille. Merci, du gel vert et je me casse. Salut. Ouh là 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 là. Ça donne pas envie. En plus, y'a. Moi, je pense que ça pue le piège. Ah, moi, j'ai pas la puce. Je peux pas passer sans cette puce. Donc. Il doit bien y en avoir une quelque part. Dans le cerveau des mecs là. Ah, c'est pas que sur un étage. Donc déjà ça. C'est une certitude. Ça je peux ouvrir avec mon arbalète si j'utilise les carreaux électriques. Ça, c'est pas beau. Donc non. Non. Alors après, tout dépend combien ils sont. Si vous êtes 2 ou 3, je m'en fous. Ah non, c'est pas ces machins dégueulasses là. Putain. Tiens.
Bonjour. Vous avez une puce? Non. Pas de puce. Alors. Alors voilà. Attendez, moi je vais utiliser mon super déclencheur là pour détecter. Ok, lui il est par là. Et l'autre il est là. Nos efforts n'ont servi à rien. 20% de la population d'Union a déjà su. Ok, donc moi, écoute, je continue à faire mon petit. Ouais. Reste tranquille, Jacob. Alors, si tu tournes, ça sera assez intéressant. Par exemple, oui, pas là-bas. Tourne-toi. Dégage. Merci. Alors, écoute, fais tes petites affaires pendant que moi je fais les miennes. J'ai pas trop envie de t'attaquer comme ça. J'aimerais rester fair play. Alors écoute, tu reviens par là. Hein, parce qu'il faut pas rester trop longtemps là-bas, comme ça. Tu te fais du mal. Exact. Voilà. Ah, vous avez vu qu'il a des trucs dégueux. Voilà, alors tu te tournes et tu te casses. Au revoir. Coucou. Voilà, bon. C'est un peu foiré pour la discrétion. Mais bon, l'important c'est que monsieur soit mort. Alors non, là-bas je veux pas. Je vais d'abord aller dans ce labo. Non, je peux pas passer comme ça. Mais je peux sans doute passer comme ça. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Ah, c'est bien. Ah. Bon, vu qu'il y a une seringue, on va pas se gêner. Hop, merci. Et continuons nos investigations. Donc c'est quoi ça? Un condensateur, un condensateur, effectivement. Alors combien il me reste de cartouches? 5. Oh putain, c'est une jolie morgue ici. Alors, je vais prendre ça. Les transformations des citoyens sont devenues plus rapides, plus violentes et encore plus obscènes. Ces mutations ne peuvent pas être considérées comme humaines. Ils ont perdu tout semblant d'humanité, bla 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 bla. D'accord. Bon. On va y aller. Donc on va essayer d'y aller discrètement. On va prendre ça, poudre à canon. Pas trop ces bruits. Ok, donc pendant que vous faites vos choses, non, je suis pas assez pour faire des cartouches, c'est pas grave. Donc là faut juste faire attention. Ça par exemple, vous voyez, ça pue le piège, du coup on va pas passer à côté, on va laisser vivre sa vie de cadavre. Ça c'est celui que j'ai tué, donc j'ai pas tellement de risques. Enfin, je pense pas. Voilà, alors ici là par exemple, ça c'est l'atmosphère, ça sent pas bon. Il y a comme une odeur de... je ne saurais que dire. Donc toi t'as pas l'air d'avoir ce que je veux. Ça je prends, le fusible. Et je pars. Oui. Oh putain. Au revoir. Bon, on va commencer un petit peu à courir. Alors,
J'ai le fusil, il faudra que j'essaye d'ouvrir. Ça, je prends. Donc, moi, je suis arrivé comme ça. Alors, il faut que j'essaye de sortir l'arbalète. Changer les carreaux. Alors non. Je pense qu'il m'avait donné tout le stuff pour faire un carreau électrique. Voilà. Attendez. Oui. Bravo. Alors ici, l'ambiance, c'est pas trop ce que je voulais, mais il y a du matériel. Alors on va pas s'en plaindre. Oh putain, c'est vraiment, c'est la déchetterie ici. Oh là là. Non, reste avec ton fusil à pompe. Ah, ah ouais, vous entendez, là il y a des copains. Alors j'ai... Il y a de la résonance un peu donc. Je l'ai entendu. Je ne deviendrai pas comme cette... D'accord. Il y a une petite ambiance ici qui a l'air assez, assez sympathique du coup. On va aller jeter un oeil ici. La fosse, observatoire, bien ne peut pas être infecté, ce n'est pas un virus ou une bactérie, c'est un truc mental qui n'infecte que les citoyens dont les souvenirs ont été réécrits. Ah. Merde, je dois garder la tête froide, d'accord. Je vois même pas le fond. Ça va bas. D'accord. Bon, alors moi je propose c'est qu'on se casse. Si vous êtes d'accord. Parce que vous voyez que l'ambiance... Il y a une petite ambiance ici. Non! Qu'est-ce que c'est? Non! C'est quoi? Putain de merde! Ah mais non! Prends ma cachette. C'est il, moi je pense que c'est plutôt elle. Merde, on peut pas aller par là. C'est un truc un peu chelou. Hein. Là, faut que j'aille jusqu'où? Pars. Va vivre ta vie ailleurs. Merci. Je vois que tu n'es pas prête à collaborer. Peut-être faut que je me dépêche. Je
Écoute, toi, tu vis ta vie, moi, je vis la mienne. Voilà, je propose qu'on fasse comme ça. Moi, je me barre. Faut aller où? Non. Je suis caché, tu me vois pas. Va vivre ta vie là-bas au fond. Laisse-moi tranquille. Au revoir. Voilà, c'est bien, je te félicite. Moi, je me casse. Surtout pas faire de bruit avec les bouteilles. Et voilà. Sauvegarder, s'il vous plaît. Ah merde. Non. C'est pas très amusant. Je reste caché derrière les poteaux parce qu'elle peut pas bouger. Merde. Ça c'est pas ma... Faut aller jusqu'à là-bas au fond. Reconfiguration de l'espace. Ok, donc là c'est reconfiguré. Bonjour. Putain, je dois aller où? Alors si ça bouge encore... Ah bah va te faire foutre. Je crois qu'on a pu... Non, je mange ma vie. Donc on est en pleine reconfiguration. Elle ne veut pas que je parte. Voilà, alors tu ne reconfigures plus rien. Que je puisse partir. Fuck you. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas savoir. Pourquoi est-elle liée à cet endroit? Alors, merci, bonne journée. Ah, puis je suis toujours dans ce truc là. Aïe aïe aïe. Non, on est bloqué. Donc écoutez, moi je pense que... Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je sais pas ce qui va se passer par la suite. Et puis
puis après j'aimerais pas que l'épisode soit trop long. Ça serait dommage. Alors écoutez, pour l'instant on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puis on reprendra ici la prochaine fois. Du coup, bah, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Le petit pouce bleu, bah, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez continuer à suivre mes aventures, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pardon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Allez, salut !